Nous sommes le 23 novembre, premier jour du Montreux Comedy Festival. Vous êtes bien sûr M, le podcast de lemultimédia.info. Bonjour Simoncier. Bonjour. À presque 39 ans, vous êtes une des nombreuses figures que je qualifierais d'inédites de cette 33e édition du Montreux Comedy Festival. Vous êtes un artiste issu de la dynastie Astier, si je peux reprendre l'expression. Vous avez d'abord été musicien, puis monteur, avant de devenir comédien, puis auteur. Vos premières apparitions au théâtre, puis au cinéma remontent environ vers 2004, si je ne m'abuse. Oui, même encore un peu avant, mais on va dire que dans des cadres un peu plus professionnels et un peu plus sophistiqués, oui, ça doit remonter à ça. Mais j'ai grandi dans un théâtre... Littéralement, donc je connais ces endroits depuis que je suis né. Bon, on vous connaît surtout, vous avez fait beaucoup de choses avant, mais on vous connaît surtout pour votre apparition dans le rôle divin, le Chevalier au Lion dans Kaamelott. On vous retrouve plus tard aussi dans plusieurs films et séries que vous réalisez vous-même, Off Prime sur M6 en 2007, Hero Corp sur Comedy et France 4, et surtout dès cette année, Visitor sur Warner TV. Dans le quart d'heure qui va suivre, je vais surtout profiter de vos quelques connaissances musicales pour évoquer à la fois Freddie Mercury, dont on fêtera demain la mort, les 31 ans de sa mort, Kaamelott, les comédies musicales, vos séries en cours, et bien sûr le gala auquel Old Love vous a invité à participer ce soir sur la scène du Stravinsky. Mais laissez-moi tout d'abord comprendre qui vous êtes, acteur, réalisateur, scénariste. Vous semblez aussi aimer, tout comme Alexandre, jouer dans les séries et courts-métrages que vous réalisez et scénarisez vous-même. C'est un truc de famille, ça ? Je sais pas si c'est un truc de famille. Je pense que s'offrir des jolis rôles, c'est un très beau cadeau qu'on peut se faire à soi-même. Et je pense qu'il faut prendre soin de soi-même, c'est important. J'avoue que le métier de comédien, c'est parfois un peu compliqué parce que on arrive dans une grande ville, on connaît personne, et puis il faut espérer trouver un cachet sur un truc où finalement on se bat pour avoir quatre lignes de texte qui sont pas hyper agréables à dire, et au final c'est ça en fait la récompense. Et c'est vrai que ça, c'est très dur, et j'admire beaucoup les acteurs parce que ils ont cette espèce de persévérance à vivre leurs rêves. Et c'est vrai que moi j'ai beaucoup d'impatience. Et j'ai eu beaucoup d'impatience au début de ma carrière, et ça a fait que je me suis demandé quel était le chemin le plus court pour arriver à ce que je voulais, et c'était m'écrire mes propres rôles. En fait, c'est pas une volonté de base. C'est j'ai envie de certaines choses, de vivre certaines choses, donc comment est-ce que je me donne les moyens de le faire ? Ouais, il faut le talent pour le faire aussi, hein, c'est pas donné à tout le monde. C'est du travail en fait, surtout. C'est-à-dire que le talent, c'est quelque chose qui est extrêmement, extrêmement subjectif, et ça veut absolument rien dire. Ouais. Moi, je vais avoir 40 ans bientôt, et c'est vrai que finalement, je suis plus un tout jeune dans ce métier, et le truc que je comprends et que j'ai compris, qu'on m'a enseigné en fait très tôt, c'est que seulement le travail et le travail d'acharné paye dans ce métier, comme dans beaucoup de métiers, mais il y a tellement de gens en place, tellement de gens qui ont envie d'être là, tellement de gens qui ont des choses à offrir aussi singulières qu'eux-mêmes. Ouais. Donc en fait, ce qui vous distingue toujours et ce qui fait que vous durez dans le temps, c'est quand vous savez travailler et quand vous savez vous y mettre vraiment. Ouais. Voilà. Il y a un côté de se donner sa propre chance de réussir. Oui, et puis provoquer sa chance. Provoquer sa chance surtout. Parce qu'en fait, c'est bête, mais quelqu'un qui s'entraîne toute l'année, un sportif sans club qui s'entraîne toute l'année, si demain il y a un type qui se blesse quelque part, on va faire un essai avec lui, il est prêt, il est chaud, il est en forme et il est engagé. En fait, il faut jamais s'arrêter, jamais attendre rien de qui que ce soit et de quoi que ce soit dans ce métier. Depuis le 10 mai 2022, votre nouvelle série Visitors est diffusée sur la chaîne Warner TV. Vous y jouez le rôle principal. Je me suis un peu informé là-dessus, mais j'ai envie de vous entendre sur vos influences. De quelles influences est partie l'idée du scénario de cette série en général ? Ben, je pense que à la toute base, c'est juste une envie de faire quelque chose qui me plaît, qui me fait rêver. Et on va dire, pareil, on arrive à un stade maintenant où j'ai besoin, pour me lancer dans ces marathons de boulot, de croire et d'avoir envie d'être dans un univers que j'ai créé, d'y être du matin au soir pendant des mois, voire des années.
Ça, c'est la base. Et après, en fait, en le faisant, mine de rien, je me suis rendu compte que j'osais aussi rendre hommage à toute une époque de films et de séries qui m'ont donné envie de faire ce métier. Les années 80, 90. Ouais, 80-90. Et certes, cette espèce d'explosion qu'il y a eu, et qu'il n'y a pas eu forcément depuis... il n'y a pas eu d'équivalence depuis, il y a eu un mélange des genres, la comédie, l'ASF ou la comédie, l'horrifique. Ou... On a mélangé, on va dire l'humour, mais l'humour dans le sens intellectuel du terme, c'est-à-dire pas les blagues, hein, vraiment juste l'humour, la distance, le second degré, dans des situations clairement dangereuses, dans des vrais enjeux de films de genre, et ça a donné les Gremlins, les Ghostbusters, les Familles Addams, les Men in Black... Et... En gros, ça a été pour moi un âge d'or. C'est vrai que quand j'ai commencé ce métier, moi j'ai fait un bac cinéma, j'ai fait des études de montage après. Et c'est vrai que les cours d'histoire du cinéma, on vous enseigne vraiment les classiques et comme s'il y avait un cinéma digne et un cinéma indigne. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on sait très bien que le jour où on veut manger une pizza et boire du soda et un peu penser à autre chose, on peut effectivement voir des films plus légers et que quand on se dit ce film-là, j'ai rendez-vous avec lui, c'est un film plus compliqué à aborder. On sait qu'il y a des choses qu'on consomme différemment. Mais mine de rien, j'assume aujourd'hui d'avoir été bercé et façonné par cette époque-là. Parce que c'est la mienne en fait. Moi, c'est mes souvenirs d'enfance. Donc j'ai grandi avec ça. Et je pense que ce qui vous berce étant enfant et ce qui vous inspire enfant, c'est un amour qui reste, qui poursuit tout le toute long votre vie. Ouais. Il n'est jamais écorné. Une histoire d'amour, d'amitié avec des gens, des choses peuvent se faner au bout d'un moment. Je pense que ce qui nous bouleverse étant enfant nous suit vraiment jusqu'à la fin. Des histoires qui se déroulent dans des univers loin de notre réalité. Ça aussi, c'est un point important. Je ne peux pas m'empêcher de faire quand même un lien avec Kaamelott, ce côté, peut-être cette inspiration ou, dans la scénarisation de vos séries. On imagine qu'on puisse forcément quelques inspirations de ces rôles passés. Et est-ce que Kaamelott a eu quelque chose là-dedans, une sensibilité différente? Alors, ce qu'on a en commun chez les Astier, c'est qu'on a grandi avec les mêmes influences. Les mêmes références. Ouais. Alors, mon frère, c'est plus l'humour de Diard, c'est plus... Cette époque-là du cinéma, c'est vrai que c'est un peu plus tard. Je pense que la transition qu'il y a entre nous, c'est les Star Wars. C'est là où on se rejoint tous les deux vraiment au niveau de l'ardeur. Je ne m'inspire pas de mon personnage d'avant parce que je pense qu'un personnage, il faut le laisser là où il est. Ouais. C'est extrêmement important. Sinon, ça devient de la redite et sinon, on n'évolue pas. Et je m'inspire en fait pas de grand-chose d'autre que de mes envies du moment. Ouais. Et ce qui est dingue, c'est quand on écrit une histoire et qu'on cherche juste à écrire une histoire qui nous touche, malgré toute la volonté qu'on y met, on se rend compte souvent plus tard de ce qu'on a vraiment voulu raconter sur la vie, sur les gens, sur nous, sur en gros ce qui nous traverse à cette époque-là de notre vie. Et en gros, oui... C'est peut-être, on a ça en commun avec Alexandre, oui, je pense, c'est cette envie, cette espèce de possibilité de, en mettant notre histoire dans un cadre qui est hors du commun, donc qui n'est pas urbain, contemporain, réaliste, les chevaliers, moi, les super-héros, fait que, mine de rien, ça donne un côté spectacle, dans le sens grand spectacle du terme, au premier abord, mais ça permet aussi de pouvoir être très intime dans ce qu'on raconte sur les gens. Oui. Et moi, je sais que c'était un biais de pudeur, beaucoup, ça. De me dire, en fait, si ça bouge un peu, si c'est un peu scintillant devant, eh ben, mon débat interne, mon débat moral interne dans l'histoire que je raconte va pouvoir passer comme une espèce de truc qui se lit en tâche de fond. Et voilà. Et je pense qu'aujourd'hui, moi, j'ai moins peur d'être... plus premier degré ou d'assumer plus de vouloir raconter certaines choses de la vie. Oui. Bon, on sent dans l'écriture des personnages, hein, ce que vous donnez aux personnages qui jouent dans votre série, vous disiez vouloir écrire des personnages dans votre série de manière à ce que tous puissent se sentir protagonistes du film. C'est vrai ça? Alors, moi c'est un truc d'acteur, et c'est ingrat mais je ne me souviens plus qui m'a dit ça. J'ai commencé ce métier et on m'a donné quelques conseils qui me suivent encore maintenant. Mais on m'a toujours dit, joue un personnage comme si lui était convaincu que c'est lui le héros de l'histoire. Yvain dans Kaamelott, moi quand je le joue, si je devais improviser en Yvain, il serait convaincu que c'est lui la solution.
Voilà. Et comme dans le Liseur du futur, pareil, je joue un personnage qui est complètement. Mais Michel, il est à côté de la plaque, il est délié de l'histoire, tellement qu'il sert à rien. Mais il est quand même convaincu que c'est lui le héros. Et je pense que ça donne un souffle. C'est-à-dire que c'est pas tirer la couverture à soi. Je pense au contraire. C'est se mettre dans votre emploi et de le jouer à fond. Mm-hmm. Pas de frustration ou pas d'envie, dans le sens péché du terme. Ouais. Juste, on est à sa place et on prend sa place jusqu'au bout. Parce que je pense que ça soit les jouer, même les voir, je trouve que le second rôle dans une histoire, il est. C'est celui qui est la récréation pour nous. Parce que souvent, le héros raconte quelque chose sur le thème. Mm-hmm. Le personnage secondaire raconte quelque chose sur le thème. Il est une partie du héros. Mm-hmm. Il est, en fait, il complète. Et c'est ce que j'aime énormément dans le second rôle. Ouais. Bon. Dans cette histoire, il y a plein d'autres volets que je voudrais bien aborder. On va pas trop s'étendre non plus parce que j'ai aussi envie de parler de Montreux. Juste un point. L'intrigue se passe à Pointe-Claire, donc une ville qui existe vraiment au Canada, ou pas ? Alors le nom existe, mais Pointe-Claire n'existe pas. Pointe-Claire, dans ma série, c'est un. Et d'ailleurs, ça a du sens, parce que Pointe-Claire, c'est la Pointe-Claire, c'est ce qu'on voit, en fait, c'est ce qui dépasse, ce qui est visible. Mm-hmm. Et ce qu'on imagine, c'est tout ce qui n'est pas visible. J'aime bien ce principe-là, dans le bon ou dans le mauvais sens du terme. Mais non, c'est un mélange de. C'est, j'ai créé une ville avec des voitures d'une époque que j'aime, une technologie d'une autre époque que j'aime. C'est comme si tout ce que j'avais aimé comme mm-hmm. objet, comme architecture, comme fringues, comme. J'ai créé un monde dans lequel il y a un best-of de tout ce que j'ai aimé, mmh. avec des influences donc effectivement nord-américaines, avec des influences japonisantes aussi, avec aussi, je pense, les pays un peu scandinaves. Voilà, ça se rejoint dans une espèce de best-of de tout ce que j'ai aimé. Ce soir, ça sera un peu particulier. C'est un galant que j'ai l'impression qu'on n'a jamais vu pour l'instant encore Montreux. Il y a un groupe de rock, si j'ai bien lu, il y a un quatuor à cordes avec un ensemble de 12 chanteurs et chanteuses romandes. Vous avez déjà connu ça? J'ai connu ça dans des cadres plus indépendants. Pas humoristique. Si. Je pense au 26 000 couverts, qui est une compagnie bourguignonne qui rassemble souvent des artistes multidisciplinaires. Mais vraiment, ça va de tout, des musiciens, des acteurs, des humoristes, des jongleurs, des machins. Et ça crée un spectacle incroyable, comme une espèce de cabaret géant. Et en fait... Pour connaître Olivier depuis longtemps maintenant, son show lui ressemble. Mm-hmm. C'est tout ce qu'il aime. Il est drôle, il est chanteur, il est musicien, il aime chanter des bêtises. Il aime chanter des belles choses parce que c'est un excellent chanteur, Olivier. Et il est très drôle aussi. Et c'est vrai qu'il se partage dans ses spectacles entre vraiment... quand il fait les Zéniths, c'est une star de rock. Et puis quand il fait Tracker de Nasil, le spectacle que j'ai mis en scène... là récemment, c'est un humoriste ouais. qui chante en plus et bien. Donc ça lui ressemble complètement. Je pense que c'est jamais vu ici et ça serait génial en fait parce que tout ce qui est nouveau c'est super intéressant. Ouais. Et c'est hyper éclectique là, ce soir. Et puis en plus, c'est un spectacle. C'est-à-dire que on est tous une troupe ce soir. Mm-hmm. Il y en a plein qui sont pas humoristes de métier. Moi je suis pas humoriste de métier. Moi j'ai écrit un sketch avec mes copains Arnaud Joyer, Arnaud de sa mère il y a plus de 10 ans qui nous fait mourir de rire, qui faisait mourir de rire Olivier. Et on le joue là ce soir. Et en fait il y a plein de copains d'Olivier qui font tous des choses différentes et particulières. Et il a réussi à mélanger plein d'univers. Mm-hmm. Donc c'est une vraie troupe. C'est pas un plateau. C'est moderne. Je veux dire, parce que on aura Carmen Maria Vega plus tard à ce micro. Et incroyable disait, d'élégance. Ça va sans dire. Mais elle disait aussi, comme j'ai préparé l'interview, ce côté de jamais se cloisonner, d'être multicasquette, c'est quelque chose qui n'existait peut-être pas avant. En tout cas, ça s'est multiplié ces dernières années. Est-ce que c'est quelque chose de moderne, ça ? Je pense que notre génération n'a pas connu l'âge d'or de ce métier, c'est-à-dire à l'époque où... il y avait beaucoup d'argent pour produire, pour faire, c'était assez fastueux, peut-être même trop. On se rend compte que quelque part ça a bougé beaucoup. Moi j'ai connu l'avant et l'après piratage par exemple, mm-hmm. où finalement on s'est retrouvés tous. Moi je faisais déjà plusieurs métiers, hein, mais j'en fais encore plus depuis. Et ça nous a, je pense que ça nous a poussé à être tous un peu indépendants.
dans le sens, plus tu es multicasquette, plus tu peux gérer des problèmes qui t'arrivent. Ou monter une équipe qui t'inspire, savoir aussi demander des choses aux gens que tu engages. Je pense que c'est une manière de s'offrir une liberté dans ce métier que de savoir faire beaucoup de choses. Une dernière question, parce que ce sera aussi question de musique, donc ce soir, quel est votre rapport à la musique ? Alors on parle de Freddie Mercury, parce que là on a la statue là juste à côté, c'est 31 ans de sa mort, c'est comme Gala Comedian Rhapsody, donc effectivement c'est un clin d'œil à lui. Votre rapport à la musique, à Freddie Mercury ? À Queen, pour moi c'est un groupe de légende absolue, indiscutable, et puis fou de créativité. Justement le titre de cette chanson, on a tous en tête ce morceau qui, quand on le regarde de près, est fou. Il est incroyablement fou, et surtout quand tu veux vendre quelque chose qui est une explosion de tout ce que tu peux être toi, je trouve ça assez magnifique qu'il en arrive là. Moi, la musique me suit quotidiennement. Et j'ai un rapport à la musique dans ce que je fais, j'en mets partout. Je ne conçois pas un film, une série sans musique, et je trouve que l'identité... Moi, je suis un enfant de X-Files dans les séries, et on s'est rendu compte, en regardant X-Files, qu'il y avait de la musique du début jusqu'à la fin. Parce que la musique vient, part, revient, repasse dessus, repasse en dessous, et en fait, il y a un travail hyper humble, et souvent, c'est le créateur qui l'a fait, la musique, dans la série, pas tout le temps, mais souvent. Et on se dit que du coup, il n'avait pas son ego de musicien qui était là, c'était vraiment soutenir et faire prendre forme, faire prendre vie à l'histoire. Et voilà, j'ai un rapport assez intime avec la musique. Je ne conçois pas de raconter une histoire sans que ça accompagne et sans que ça teinte ce qu'on est en train de dire. Vous attendez quoi du public montreusien ce soir ? J'espère qu'ils vont rire. Principalement à nos blagues à nous, parce qu'on aime beaucoup ce sketch. On les dit connaisseurs, donc normalement ils savent. Bah moi, je, en fait, pour avoir été aux répétitions hier du final, sur scène, j'ai pris mon pied de voir tous ces gens, parce que vous avez cité Carmen, Olivier, ce sont des incroyables chanteurs et musiciens. Pour avoir été à l'intérieur de la répétition du final hier, j'envie les gens de pouvoir le voir dans la salle. Parce que moi, je fais rien dans ce final. On a un peu des places de planqué. Mais je pense que ça va être très, très beau. Et surtout, inédit, ce qui se passe ce soir. Voilà, c'est. À la fin. Il faut savoir. Cher Simon, merci d'avoir été avec nous. On vous retrouve donc sur scène pour le Gala Comedian Rhapsody aux côtés d'Alex Vizorek, Arnaud de Samer, Carmen Maria Vega, Maria Dolores, Pascal Vincent et tant d'autres. Et c'est présenté, bien sûr, par Rolde Laff. Merci beaucoup.